Yo les potes, c'est Jgaming, donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo très particulière, donc comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, du coup on va parler de la cup Free Fortnite qui arrive du coup cet après-midi, parce que sur la vidéo sortira du coup je pense vers 7h30, 8h. Je sais pas à quelle heure vous verrez du coup la vidéo et à quelle heure. Du coup, si vous la voyez avant 15h, il y a la... je crois que c'est à 15h, il y a la coupe spéciale Free Fortnite. Donc faut faire le minimum. J'ai fait une vidéo du coup, ben, n'hésitez pas à aller la voir. Je le mettrai en premier lien de la description, la vidéo. Donc comme pour vous expliquer le barème, etc. Pas trop vous expliquer, on va surtout parler dans cette vidéo, comme vous avez pu voir, comment récupérer un maximum de pommes dans la game. Pourquoi? Parce que en fait il y a un truc qui s'appelle vous ramassez le plus de pommes. Et les 1200 personnes qui auront ramassé le plus de pommes dans la game ou manger, je sais plus si c'est ramasser ou manger le plus de pommes dans la game, gagnera du coup un PC, une PS4, etc. Du coup, je vais vous montrer du coup où on peut avoir du coup le plus de pommes possible. Là, je vais juste apparaître du coup. Du coup, on a le plus de pommes possible. Bon, vous connaissez tous le verger, mais bon, vous allez vous dire, il y a énormément de gens qui vont le verger. Et oui, il y a au moins, si vous allez au verger, vous allez croiser au moins, allez, une vingtaine de personnes qui vont vouloir manger les pommes. Ce qui fait que vous mourrez de suite et vous pourrez pas manger de pommes. Et quelqu'un mange. Et la personne qui sera restée en vie gardera les pommes du coup. Après, du coup, il y a une autre solution pour avoir justement beaucoup de pommes. Et très facile. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont y penser, mais Cathy Corner. Cathy Corner, il y a énormément de pommes aussi. Donc si vous avez, si vous arrivez à survivre à Cathy Corner, je vais vous montrer du coup où sont les pommes. Là, ici, il y a énormément de caisses comme ça, là. Des caisses de fruits. Bon, par contre, donnez-moi des trucs pour la vidéo, quand même. Faites pas les radins, Epic Games. Du coup, vous avez des caisses de fruits. Vous avez quelques chances de trouver, du coup, des pommes dedans. C'est rare d'en trouver, c'est sûr. Mais ça vous évite, par exemple, d'aller au verger et de mourir au verger. Vous pouvez faire quelques games au verger. Je vous dis pas contre, hein. Bon, la vidéo veut pas que je vous montre qu'il y a des pommes dans les caisses. Regardez, vous voyez là, il y a deux pommes. Mais suivez par exemple dans une caisse, il y a que des pommes, il y en a quatre pommes. Vous imaginez les gars? Regardez par exemple, je viens ici. Ici, est-ce qu'il y a des trucs de... Non, il y en a pas. C'est où qu'il y en a? Je crois que c'est dans ce camion, il y en a énormément, je crois. En dessous de ce camion. Voilà, regardez. Là, regardez, il y a encore deux pommes. Vous voyez? Là, j'ai encore du coup deux pommes. Bon, normalement, il y a un peu plus de pommes si vous êtes chanceux. Normalement, il y a énormément de pommes du coup ici. Sinon, bah, après, bah, les pommiers. Ou sinon, je pense qu'il y a une carte de pommes sur Google. Je pense, je suis pas sûr. Justement, je vais regarder ça pendant la vidéo du coup. Je vais vite fait regarder du coup s'il y a une carte de pommes. Regardez du coup, là, il y a un truc. Du coup, je vais vite fait vous montrer si j'arrive à trouver. Du coup, si j'arrive à trouver, je vous montre. Ouais, j'ai pas la nouvelle saison quoi. On va mettre saison 3. Mais voilà, du coup, comme je vous expliquais. Non, ouais, je vais pas réussir à avoir du coup cette carte là. Ça a pas dû être fait du coup. Du coup, comme je vous ai dit, vous avez soit la solution de Cathy Corner. Regardez, déjà j'ai eu 4 pommes à Cathy. Mais c'est vrai que Cathy, c'est quand même dur. Mais il y aura peut-être plus de pommes à Cathy. Sinon, il y a une ville où il y a énormément de caisses. Comme ça, je crois que c'est. Je sais plus où c'est. Mais il y a aussi une ville où il y en a plein. Dans les grandes villes aussi. Dirty Dog, Simistack, Craigie. Il y en a énormément aussi. Je pense que là où il y a des pommiers, il peut y avoir des pommes. Je vais aller voir vite fait aux 3 maisons. Le but c'est que je vous montre justement là où il peut avoir le plus de pommes sans vous faire tuer justement. Parce que justement, c'est le but. De ramasser le plus de pommes possible sans mourir. Bien sûr. Donc je pense qu'il faut aller voir là où il y a des
pommiers, du coup, il s'est trouvé des pommiers. Bon, bien sûr, il y a le verger. Si vous arrivez à prendre quelques pommes au verger, je pense que vous avez des chances de gagner. Parce qu'au verger, il y a énormément du coup de trucs pour pommes. Et je pense que vous avez énormément de chances de gagner. Après, du coup, voilà, comme je vous ai dit, dans les caisses de fruits, vous essayez de trouver le maximum de caisses de fruits dans la map. Et vous avez une chance sur plusieurs, sur je sais plus combien, de trouver du coup des pommes. Parce que du coup, vous avez le choix. Vous avez des pommes, des trucs comme ça. Donc, vous avez une chance sur plusieurs trucs. Je crois pas que là, il y ait des pommiers. Je ne crois pas. Si il y en a, je saurais pas vous dire où. Là, vous voyez, je crois que ça, c'est des arbres de pommes, je crois. Les arbres de pommes, ça veut rien dire, mais... Non, il n'y a pas de pommes, je crois, dans ces arbres. C'est dommage, hein, que... Ouais, il n'y a pas de pommes dans ces arbres. Du coup, voilà. C'est juste que c'était pour vous dire vraiment à peu près où il y aurait le plus de pommes possible, du coup, dans la map. Donc, je vais vous montrer, bien sûr, au verger. Je sais qu'il y a beaucoup de caisses de fruits aussi à Frenzy. Mais bon, Frenzy, tous ces environs, là, par exemple, Frenzy, ici, ici, peut-être Craigy, peut-être là, ici, justement, ça va être hyper contest. Parce que, on va compter ensemble, regardez, on va essayer de voir le nombre de pommes que je peux ramasser au verger. On va essayer de voir le nombre de pommes que je peux ramasser. Je vais sûrement en louper parce qu'il y en a dans les arbres aussi. Ouais. Ah, regardez, hop, une pomme. J'entends des pommes tomber, mais je les vois pas. Des pommes. Pommes. Pommes, pommes, six pommes. Alors, le truc, je sais pas si il faut ramasser juste des pommes. Encore, ça peut être simple. Ou est-ce qu'il faut les manger? Moi, je pense que même si vous voulez en ramasser et après les manger, vous aurez pris quelques dégâts parce qu'il y aura énormément de monde. Peut-être, du coup, du coup, il y aura énormément de gens qui voudront du coup prendre les pommes justement ici. Regardez, il y a encore une pomme là. On va essayer de l'attraper cette pomme. Ok. Cette pomme aussi. Regardez, on va juste compter ensemble du coup le nombre de pommes qu'il y a. Après les gars, c'est pas parce que moi j'ai pas eu de luck par exemple du coup ben, dans les coffres de fruits que vous allez pas avoir de luck aussi. S'il faut, vous aurez énormément de pommes, par exemple une dizaine de pommes juste dans les caisses de fruits, et ça vous permettra de bien vous classer. Parce que imaginez-vous le nombre de personnes qui vont vouloir venir ici. Il y en a sûrement bien sûr qui vont sortir vainqueurs et avoir pas mal de pommes. Mais ce sera pas 1200 personnes. Donc faudra bien chercher autre part dans la map des pommes. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'oubliez pas les villes où il y a justement des caisses de fruits, justement. Parce que justement, ça rapporte pas mal de pommes des fois. Parce que s'il n'y a qu'un fruit ou légume, du coup, dans le truc de pommes. On peut les ramasser des fois, les pommes. On ramasse les pommes là, hop. Il fallait cueillir des pommes là. Ouais, bon, vous avez compris qu'il y a énormément de pommes. Vous avez à peu près, allez, on va dire une quarantaine de pommes. Vous voyez, je suis déjà à 30 pommes. Je pense quoi, il y a facilement une cinquantaine de pommes ici. Donc si vous arrivez à sortir du spawn ici, je vous le dis, si vous arrivez à sortir du spawn ici, je crois que vous avez directement gagné un PC ou une console. Bon, il y a 12 parties. Donc après, vous n'êtes pas obligé du coup de retourner là, mais je vais plutôt safe. Et aller chercher du coup des pommes dans les caisses de fruits. Essayez de jouer justement safe et réfléchir du coup pour ramasser un énorme nombre de pommes. Du coup, regardez, hein, on a encore. Je crois que dans les arbres. Ouais, bon, je vais pas ramasser toutes les pommes parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Là, qu'elle dure à peu près 10 minutes, c'est un peu long.
Et voilà, il y a énormément de pommes, je pense qu'il y en a même une bien soixantaine de pommes sur au verger. Donc essayez de voir, de le faire et du coup d'essayer d'y arriver. Du coup sur ce les gars, du coup je vous laisse. Je vous dis ciao ciao. Je vous ai pas dit, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Du coup la vidéo sort vers 8h. On se retrouve du coup pour un nouveau, une nouvelle vidéo vers 16h, 15h pour justement le prochain teaser de la saison 4. On n'oublie pas le petit code créateur JGaming si vous achetez quelque chose dans la boutique. Et sur ce je vous dis ciao ciao. Peace.